Ah, j'en ai marre! Coucou les amis! Les Français ont l'habitude d'exprimer leur frustration ou leur colère. C'est tout à fait normal. Quand on ne supporte pas une situation ou quelque chose, voici ce qu'on peut utiliser. Dans un langage courant, on utilise « j'en ai marre ». C'est très classique. Par exemple, « il pleut depuis une semaine, j'en ai marre ». Il y a aussi « ça m'agace ». C'est être un peu énervé. Mais si on dit « ça m'énerve », c'est un peu plus intense. Ça m'énerve quand les gens sont impolis. Dans un langage familier, on utilise « ça me saoule ». C'est très utilisé. Par exemple, il y a la queue dans le magasin, ça me saoule. On utilise également beaucoup, ça me gonfle. Ou alors, ça me gave. Par exemple, j'ai encore oublié mes clés, ça me gave. Mais aussi, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol d'entendre ce bruit. Et parfois, les Français utilisent un langage vulgaire, grossier, comme par exemple « ça fait chier ». Demain, c'est lundi, je dois travailler. Ça fait chier. On entend aussi beaucoup « c'est chiant ». Par exemple, il n'y a pas le Wi-Fi dans l'hôtel. C'est chiant. Et pour finir, je suis sûr que vous avez déjà entendu « ça me casse les couilles ». C'est très vulgaire, donc je ne vais pas vous donner d'exemple. Je vous dis à bientôt, chatouzienne.